Bonjour à tous les amis, c'est Memesland et aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau jeu pour une nouvelle vidéo, Evil Nun. C'est un nouveau jeu d'horreur que j'avais déjà repéré depuis un petit moment, il m'avait l'air pas mal. Donc voilà, il y a eu la mise à jour 1.6.2 il n'y a pas très longtemps là. Donc c'est bien, c'est cool. On commence tout de suite. Donc Evil Nun, ça veut dire la nonne du mal ou un truc comme ça là, je sais plus exactement ce que ça veut dire, Evil. Ok, alors on va mettre le tutoriel quand même. Sauter l'introduction, non. Ensuite à droite, du sang non personnalisé, ok. Fantôme, ah oui, on a plusieurs petits modes, ça fait un peu comme Granny. Donc fantôme, la nonne ne peut pas vous voir et des publicités seront diffusées pendant le jeu, mais ça j'en aurai pas, vous inquiétez pas. La nonne ne court pas, en facile. La nonne entend mal et elle commencera à vous chercher plus tard. La nonne marche à vitesse normale, elle entend bien. Et la religieuse, alors ça a l'air d'être autre chose, commencera à vous chercher depuis le début. À moins que ce soit les traductions françaises du truc. Je sais pas, une fois sur deux, il change, quoi. La nonne est plus rapide, la nonne entend tout, votre gamme d'action est plus petite. Et enfin en extrême, la nonne est plus rapide, elle entend tout, la gamme d'action est plus petite et l'école est plus sombre. Alors pour la première partie, on va faire en mode fantôme. Et donc là, on voit qu'on vient d'avoir une lettre d'ailleurs. École secondaire de l'Aigle Saint, 1962-1963. Félicitations, votre enfant a été choisi pour aller gratuitement au nouveau camp d'été organisé par notre école. Vous apprendrez à être une bonne personne grâce à une nouvelle méthode didactique. Avec les meilleurs soins et l'attention, vous passerez un été inoubliable. C'est parti, on va voir notre été inoubliable. C'est parti pour l'introduction. Ok, on arrive. Wow. Ah oui, c'est quand même très violent. Hein. Ah, conseil, vous devez trouver un petit câble pour le placer dans la boîte électrique. Il restaure le courant électrique dans la... J'ai pas eu le temps de lire la fin. Alors, là, qu'est-ce qu'on met? Je dois être bon, je suis Memesland et je vais être bon. Ok. Ah oui, ok, là c'est le didacticiel, là pour avancer, je peux marcher tout en utilisant le joystick, ok. On peut s'accroupir, ça c'est cool. Maintenant, vous devez quitter cette pièce, déplacez-vous pour trouver une sortie. Alors ici. Ah. En utilisant ce bouton, je peux interagir avec l'environnement. Notre porte de cellule n'est même pas fermée, ok. Là on a un placard, ça doit être pour la nonne. Ah oui, c'est un peu du même style que Granny. Ok, cool. Ah, la nonne arrive. Donc normalement elle ne peut pas me voir. Ah oui, il est juste là. Attends, est-ce qu'on peut pas faire tomber un truc là? Ça, est-ce qu'on peut prendre? Oh, il y a une main bleue. Ah oui, elle vient, elle vient, elle vient. Ah oui, elle fait quand même bien flipper, hein. Heureusement, on ne peut pas nous attraper. Là, on a un tiroir. Ok. Livre ancien. Cette nonne ne pense qu'aux démons. Ah oui, on a des petits livres. Ok. Alors, ici, oui, j'avais vu, j'avais déjà testé. Il y a un espèce de bunker, voilà, qu'on peut ouvrir. Donc je vais tester d'abord de faire le jeu. Et puis je reviendrai à la fin pour l'ouvrir. Parce qu'il paraît que ça donne un objet pour céder. Voilà, donc si on est bloqué. C'est un truc comme ça, j'ai pas trop bien compris.
Bah voilà, comme ça au moins on pourra s'aider, ce sera cool. Ici c'est quoi? Il faut... Le bordel que je fais. Quoi? Oh, elle peut passer par les conduits d'aération. Oh, c'est trop flippant ça. Donc la publicité là, elle sera pas affichée. For I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Pas trop compris, mais elle parlait de Dieu et de trucs, je sais pas quoi. Là, c'est quoi? J'ai besoin d'un numéro pour appeler, ok? En tout cas, j'ai vu, elle avait une clé. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Mais derrière, là, elle a une clé. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on a un truc. D'abord, ok. J'ai d'abord fouillé l'étage. On était où? On était là. Alors ici, on a des livres encore. Je sais pas s'il y a des trucs intéressants à faire avec pour l'instant. Une porte à mon nom. Cette porte ne s'ouvre que lorsque vous définissez un certain temps. Oh. Faut bien aller parce que des fois il y a des portes qui sont fermées. Et du coup, grâce à elles, on peut y rentrer. Moi, j'avais pas vu ça. Là, qu'est-ce que c'est? Il semble que le courant n'atteint pas cet interrupteur. Ah, exit way out. Ok. Distributeur de poissons. De boissons, pardon. Parce que mon est poisson, c'est pas trop. Voilà. C'est pas trop ouf comme distributeur. Ok. Ici, un petit tableau. On n'a rien d'intéressant en plus. Bah, je vais suivre le. Le fil, hein, peut-être qu'on va trouver l'endroit. Salle à manger. Et puis là, il y a quoi? Il n'y a rien de très intéressant. Mais il y a encore un store en métal. Oh, ici, on a un petit trou. C'est un trou de souris ou... Ah, panneau électrique. Un câble est nécessaire pour restaurer le courant électrique. Ah, donc ça doit être ça. Et on doit trouver le petit câble. Ça doit être pour aller dans le pas dans un passage. Je vais d'abord aller regarder là. C'est quoi ça? Ah oui, là on tombe dans le truc de. Ok. Ici, ok, on a rien d'intéressant. Il n'y a pas beaucoup de choses hein, de cachées. Ok, bon, on va continuer. Dans le four, est-ce qu'on n'a pas quelque chose? Non. Ah, ben voilà. Petit câble, je crois que c'est ça. Là, on a carte avec un numéro de téléphone. Ça a l'air d'être une laundry van. C'est un van pour les... Je sais plus comment ça s'appelle. Pour les nettoyages, machin, là, nettoyage d'habits. Et ici, on a une clé jaune. Ok. Et ici on a un truc de carton. Ah bah voilà, ça doit être là le passage. Ouais, c'est ça. Et ben on va prendre le petit câble, hein. C'est parti. Wow, ça fait peur à chaque fois. Ah, on a une petite musique, donc on va redescendre. Ok, tout est fermé. Je vais voir là. Ah, ça ouvre tout. Ok, ça c'est cool. Là, on peut passer par la fenêtre. Alors, ici, on a un petit tiroir. On n'a rien dedans. Là, pareil, rien dedans. Là aussi, non, rien. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire avec la chaise? On peut aller sur... Je sais pas ce qu'on peut faire. Oh! Fracassé, j'ai besoin d'un long objet pour d'un objet long pour l'atteindre. Ah ouais, c'est fermé. Ok. Alors attendez, je vais retourner en haut. Ah, mais elle me fait peur à chaque fois, c'est pas possible. Là, on a un petit passage ensuite.
Bon, allez, on y va. Ok, alors là, on a un grand casier avec rien dedans. Descendre. Alors là, on a des flèches. On va les suivre. Donc là, il y a une flèche verte. Ok, on revient au même endroit. Ah non, c'est pas le même endroit exactement. Ok, là on a un garage ouvert. Là on a l'extérieur. Oh, c'est par là qu'on est arrivé d'ailleurs. Ok, là est-ce qu'on peut pas voir en dessous? Non, pas trop. Ici. Si vous coupez ce fil, la cloche arrêtera de fonctionner. Ok. Ouais, d'accord. Ici, il y a du jaune, c'est verrouillé. Ah oui, il me faut une clé. Oh! Est-ce que ce serait ça? Non. Ok, alors on va d'abord monter en haut. Ah yes! Ok, et en bas du coup on avait quoi? Ah oui, on peut pas descendre plus. Ok. Puis là c'est la porte à côté des escaliers, d'accord. Bah, je vais retourner prendre le billet de biche. Alors, pied de biche, c'était là que je voulais le mettre. Oh, y a une voiture là-bas. Attendez, parce que du coup. Il y avait une tache jaune sur le placard en bas. Une tache jaune et on avait trouvé une clé jaune. Bon, il y a du rouge dessus, mais on nous dit que c'est une clé jaune. Donc. Je leur fais confiance, hein. Ok, j'espère qu'elle va pas se barrer maintenant, la voiture. Ce serait bête. Elle est où? Non, 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 non. Attends, attends. Vite. Est-ce que vous pensez que je peux me faire écraser en vrai? J'espère pas parce que je suis mal. Non! Oh, il s'arrête. Bonjour, je veux passer. Merci. Ah non, on peut pas sortir comme ça. Non, je veux sortir. Ah oui, là, du coup, on peut voir ce qui se passe là-bas. Ok. Ouais, cette peinture elle est vraiment bien. Tu renverses le pot, ça se renverse pas. J'aimerais bien avoir un pot de peinture comme ça, moi aussi. Il faudra tacher les vêtements avec la peinture. Oula, on se calme, on se calme. Mais en fait, elle s'occupe juste de ça. Hein. Vous avez foiré les vêtements du coffre. Là, elle va dire. Oh non. C'est plein de. Maintenant, les vêtements sont sales. Quel dommage. On ferme les portes, parce qu'après, il fait froid. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, d'accord, tu fais ta sieste. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas l'heure de faire sa sieste, là. Voilà, c'est arrivé. Ah, c'est des vêtements tout propres. Et là, elle va voir qu'il y a des vêtements sales, non? Non, toujours pas. Ah, peut-être elle recharge tout et après elle va les voir. D'ailleurs, elle en avait pas posé 4. Attends, 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 attends. Il y a les deux en plus là.
Ah, yes, ok, elle échange. Et donc, dès qu'elle les aura tous enlevés, on pourra se cacher dans le coffre. Allez, dépêche-toi. Voilà. C'est bien, nickel. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle va faire sa sieste. Ah, ne fais pas ta sieste! A few moments later. Très bizarre. Donc, voilà. Oh, c'est bon. Ah, d'accord, je suis sorti du coffre. C'est l'heure de s'échapper! Pourquoi une musique triste là? Je suis content, je me barre d'ici. Vous avez quitté l'école. Félicitations, tu as quitté l'école, bien que cette histoire ne s'arrête pas là. Maintenant que le bunker est ouvert, vous avez 6 nouveaux chapitres à jouer. Si vous avez aimé le jeu, nous avons besoin de votre soutien pour continuer à grandir. Nous sommes une petite équipe et cela signifierait beaucoup pour nous. Nous prendrons en compte vos idées et suggestions. Merci beaucoup. Très bien, eh bien j'irai leur mettre une petite note. Hein. Et ben voilà, hein, c'est fini la vidéo de présentation. Donc maintenant que le bunker est ouvert, je vais pouvoir vous présenter les autres chapitres. Je vais pas y faire aujourd'hui. J'y ferai dans d'autres vidéos. Oula, pardon. Donc j'y ferai dans d'autres vidéos. Voilà, il y en aura plusieurs. Parce qu'il y a vraiment plein de choses à vous montrer, etc. Donc c'est vraiment un jeu très complet. Il a l'air pas mal, franchement. Enfin, les autres chapitres ont l'air pas mal. Ils ont fait un autre jeu d'horreur, j'ai l'impression, en haut à gauche là. Clapperians Horror Games. Qui a l'air d'être un peu du même style. Je pense que plus tard je l'essayerai. Même sûrement, parce que leurs jeux qui font d'horreur ont l'air plutôt pas mal. Donc c'est cool. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était MMSland. À plus.